et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous allez bien, bien moi aussi. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale, imprévue. Déjà, j'ai investi une caméra, j'ai investi un micro, ça m'a coûté une blinde, donc j'espère que le son est vraiment bien et que la qualité est mieux, parce qu'en fait, j'ai investi une caméra parce que sinon ça zoomait trop, donc là c'est mieux je pense, niveau qualité et tout. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la Mitsubishi. La vidéo sur la Mitsubishi présentation, je vous l'ai déjà tournée. Je vous la mets en haut à droite et en bas dans la description. Cette voiture aujourd'hui est en panne. C'est pas une arnaque du vendeur, c'est rien de tout ça. J'ai roulé déjà pas mal de kilomètres avec cette voiture avant que la panne se déclenche entre guillemets. Et je vais vous expliquer en détail le problème qu'elle a et pourquoi elle a ce problème et quels sont les symptômes du problème et qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que je vais la jeter? Est-ce que je vais la broyer? Est-ce que je vais la garder? Est-ce que je vais tout vous expliquer dans cette vidéo? Donc voilà. Donc déjà cette voiture, elle a 300 000 km. Donc c'est une voiture que j'ai depuis pas si longtemps que ça. Je l'ai depuis novembre, à peu près novembre, décembre dernier, donc c'est pas si vieux que ça. Aujourd'hui on est en août, donc ce qui fait que c'est une voiture que j'ai quand même depuis presque un an finalement, un peu moins d'un an, mais presque un an, que j'ai, qui était la remplaçante de la 207 que vous avez déjà vu plusieurs fois sur la chaîne, que je ne voulais plus garder pour la simple et bonne raison que c'était une voiture qui, en plus d'avoir pas mal de soucis, ne correspondait plus vraiment à ce que je cherchais en fait. Donc j'ai décidé de prendre quelque chose de certes moins réputé mais plus costaud. Et moi personnellement je trouve que ça a une meilleure gueule, mais c'est vrai que la 207 était dans un meilleur état, mais celle-ci est beaucoup plus fiable. On m'a déjà demandé pourquoi je l'ai remplacée, parce que celle-ci est beaucoup plus fiable en fait. Donc en fait le problème c'est que cette Mitsubishi a eu un problème de moteur. Le moteur est en panne aujourd'hui, c'est pas une panne électronique, c'est une panne mécanique en fait. Et la solution à cette panne, c'est de sortir le moteur. Donc déjà rien que je dis ça, ça va en faire peur, ça va faire peur à une partie d'entre vous, à tout le monde normalement. Il faut sortir le moteur de cette voiture pour résoudre la panne. Qu'est-ce que c'est la panne? Est-ce que c'est... Déjà, c'est pas une bielle qui est cassée, ou un coussinet, ou une soupape, ou quoi. Enfin, pour l'instant, on ne sait pas, mais il y a quand même quelques chances que ce soit ça, mais on ne sait pas encore. C'est que la voiture, en fait, elle fait un frottement métallique, et un petit claquement, qui n'est pas un claquement permanent. C'est un claquement, pas clac, 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 c'est clac, 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 c'est ça, claquement, en fait. C'est un claquement bizarre. Donc je m'étais renseigné parce qu'en fait c'est un moteur Mercedes qui est dans cette voiture. Je m'étais renseigné, je connais quelqu'un qui les connaît assez bien ces moteurs, et je lui ai envoyé une vidéo. Il me disait que déjà il fallait surtout se pencher sur la chaîne de distribution et voir après est-ce que par rapport à ce claquement, c'est pas, vu que ça vient du haut moteur vers la culasse, est-ce que c'est pas quelque chose du genre une soupape qui serait venue taper dans un cul buteur à cause d'une désynchronisation de la distribution, un truc comme ça, bon, faudrait voir. Donc je vais vous montrer déjà le compartiment moteur pour essayer de vous localiser le bon. Mais on va pas la démarrer parce que pour l'instant dans l'état elle démarre pas, je vous dirai pourquoi. Allez, c'est parti. Donc là on est, je vous ai ouvert le capot pour que vous voyez, donc ça c'est le moteur 1.5 DID de 95 chevaux. Je vous avais dit dans la précédente vidéo, il fait 100 chevaux, mais c'est pas du tout ça en fait. 95 chevaux. Celui-ci a 300 000 km, un peu plus de 300 000 km. La voiture est de 2005. C'est une voiture qui est pas si vieille que ça finalement. Donc elle est de 2005. Elle a 300 000 km. Elle a toujours subi un entretien régulier, qui explique son kilométrage assez astronomique quand même. Cette voiture, j'ai fait quelques frais quand même dedans depuis que je l'ai. J'ai fait les pneus,
On a les plaquettes de frein et disque avaient été changées avant. J'ai changé le liquide de refroidissement, j'ai changé le filtre à huile, j'ai fait la vidange, j'ai changé cette fameuse durite. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Mais pas grand-chose finalement de remplacer. C'est vrai que finalement j'ai remplacé l'écran qui était à l'intérieur là, mais finalement ça a rien donné parce que oui il s'allume, mais en fait les informations sont pas cohérentes avec ce qui se passe dans la voiture. Par exemple, il nous indique que la voiture roule à 25 km/h alors qu'elle est immobilisée. Bon bref, finalement il marche que quand on allume la radio et c'est déjà bien. Ouais, il marche déjà quand on met la radio, c'est déjà très très bien. C'est pour ça que je voulais le réparer. Donc cette voiture, j'ai eu la panne. Donc j'ai regardé le turbo parce qu'en fait j'ai eu un problème qui est arrivé d'un coup. Que ma durite en fait elle s'est percée. La durite celle-ci, donc celle-là, elle s'est déchirée au niveau d'en bas en fait. Donc de la partie où il y a une durite qui rentre dedans pour faire un passage d'huile, de vapeur d'huile. Et donc en fait tout simplement j'ai dû la remplacer parce qu'avec l'âge elle s'est déchirée, voilà, ça faisait une prise d'air, donc du coup on entendait le turbo souffler, bref, donc j'ai remplacé la durite. Sauf qu'entre temps il y a eu un bruit, donc du coup c'était presque impossible d'entendre le bruit. Donc mes parents ont un peu roulé avec parce qu'en fait ils n'avaient pas le choix, en fait ils ont roulé avec et en fait mon père est parti avec au boulot. Et en fait apparemment en troisième, le bruit de claquement et de frottement n'était plus là. Donc c'est pas un bruit qui est forcément permanent, c'est un bruit qui monte avec le régime. Mais bizarrement quand tu roules en troisième, le bruit n'apparaît plus. Il n'apparaît plus. Donc le bruit s'est aggravé, ce qui a causé l'immobilisation urgente du véhicule parce qu'on avait peur de casser le bloc en fait, parce que là on se dit déjà est-ce qu'on n'est pas arrivé un peu trop tard disons. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment on entendait comme la crépine d'en bas faire un bruit bizarre, on entendait des bruits un peu partout dans la voiture. La voiture ne vibrait pas, enfin elle a déjà un volant moteur à remplacer cette voiture parce qu'elle vibre tout le temps. Mais en tout cas si le moteur causait des vibrations à cause de cette panne, on ne pouvait pas les voir parce que déjà à cause du volant moteur la voiture vibre. Donc honnêtement, oui il y en a qui diront oui mais normalement elle doit vibrer encore plus. Ouais, on n'arrive pas à détecter. Donc voilà. Déjà ça c'est le premier souci. Donc comme vous savez, on se dit c'est la chaîne de distribution. Vous avez vu la vidéo juste avant que je vous ai mis en incrustation. Nous on est en train de se dire c'est la chaîne de distribution. La voiture à 300 000, on dit au bout d'un moment. Peut-être que la chaîne de distribution est à remplacer. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Parce que vous savez très bien que quand une chaîne de distribution lâche, les trois quarts du temps, il faut sortir le moteur parce que c'est impossible de travailler sur le moteur, de faire cette main d'œuvre sans sortir le moteur. Si vous la ramenez dans un garage, même chez le concessionnaire, il vous dira bon ben la main d'œuvre va coûter cher. Peut-être que le kit distribution vous coûtera rien, la main d'œuvre peut vous coûter extrêmement cher parce que eux ils s'embêtent pas en fait, ils sortent le moteur, ils font ça sur un support le moteur pour tenir le moteur, un chevalet, ils travaillent tranquillement, ils remettent le moteur et voilà. Eux ils s'embêtent pas à essayer de démonter une vis à travers plein de durite qui passe par un mini compartiment. Non, eux ils sortent le moteur d'un coup, comme ça ils travaillent confortablement. C'est bien plus rapide, c'est bien plus simple. Les choses sont beaucoup mieux faites, on n'oublie aucune vis, on voit très bien le problème. Là on voit rien du tout. Surtout que le compartiment moteur de cette voiture est minuscule. Clairement si c'est la chaîne, on sortira le bloc. Vous serez tenu au courant là-dessus et assez rapidement. Donc du coup nous on l'a déjà fait hier, enfin on a déjà commencé, mais bon sur le moment j'avais pas envie de vous filmer en même temps parce que on était déjà très embêté. En plus il y avait mon père, j'ai pas trop envie de filmer des membres de ma famille en vidéo. Bref, on voulait se concentrer, des fois ça prend du temps de filmer, d'expliquer, surtout que c'était compliqué. Moi j'ai des trépieds, mais bon le plus petit trépied plus la caméra qui est énorme, c'était presque compliqué de vous filmer en bas. Par chance, et vous verrez dans la suite de vidéo, j'ai essayé de vous filmer 2-3 petits trucs que je vais vous expliquer maintenant. Allez c'est parti.
Donc ici on a le catalyseur que vous voyez en haut à droite et là juste en face de vous là le tronc, ça c'est la suite de l'échappement qui va jusqu'à derrière. Donc ça c'est le catalyseur, on a dû séparer la partie qui était là du rond du catalyseur pour pouvoir continuer à démonter les vis qui étaient à peu près là. Parce que sinon c'est impossible, c'est inaccessible. Donc là on a dû la désolidariser. Et en plus c'est quelque chose qui ne se sépare pas, c'est-à-dire en gros ça c'est globalement la moitié de l'échappement qui va jusqu'à là-bas. C'est-à-dire qu'en gros l'échappement sans compter le catalyseur est divisé en deux. Donc il y a la partie qui va juste derrière et cette partie-là, de ce qu'on a vu. Et donc concrètement c'est la deuxième partie et elle n'est pas facile non plus à démonter. Tout à l'heure j'ai essayé de me dire bon avec un peu de chance on va essayer de sortir l'échappement, il n'y a aucune place. On va devoir très certainement sortir le moteur de cette voiture et pour le remonter ça va être une tannée. Donc pas de vidéo je pense à ce sujet, on verra la suite. Mais pour le moment je pense que ça va pas être fait. Bon voilà, j'ai essayé de vous montrer le plus de choses possible. C'est compliqué, c'est difficile, donc on ne va pas vous montrer beaucoup de choses. Donc voilà, donc du coup ce qu'on va faire, on va sortir le moteur de la voiture pour regarder. Mais avant de sortir, on va regarder déjà le carter, si on voit la chaîne qui est détendue, puisqu'en fait le frottement peut souvent venir de en fait, la chaîne. Ce frottement vient de la chaîne qui touche le carter, en fait, ce qui explique ce bruit. Donc on va déjà commencer par démonter le carter. Regardez ce qu'on peut voir. Ensuite, au pire des cas, si on voit rien, on sortira le moteur directement pour regarder en détail. Et au pire des cas, même quitte à sortir le moteur et démonter le côté distribution pour voir ce qui s'est passé. Là, honnêtement, comme ça, on ne sait pas. Donc, je pense qu'éventuellement, il va falloir probablement sortir le moteur dans tous les cas. Dans tous les cas, on va sortir ce moteur. Parce que comme ça, c'est impossible de travailler. C'est trop compact. Cette voiture est trop compacte. Et encore, la 207, c'était pire. C'était beaucoup plus pire. Donc, ça va, là, ici, niveau-là, c'est moins pire. Par contre, on va devoir quand même déposer le bloc. Ça, c'est sûr et certain, on va devoir démonter le moteur de la voiture. Probablement qu'on va démonter le moteur et la boîte, on va pas s'embêter, donc il y aura un petit boulot quand même pour sortir moteur-boîte. Au pire des cas, si on veut, pour être plus confortable, on va quand même sortir moteur-boîte, ça va être plus facile, je pense. On verra d'ici là, mais pas encore. Le souci, c'est que cette voiture, ça fait presque un mois qu'elle est en panne. Et je m'y prends un mois plus tard. Parce que je voulais pas forcément vous en parler de suite. En tout cas, pas avant d'avoir vraiment localisé le problème. En sachant qu'il y en a qui me diront, ça veut pas dire forcément que c'est la chaîne. On a contrôlé tout ce qui pouvait causer ce bruit. On a même contrôlé la poulie dumper. Parce que moi, quand j'ai entendu ce bruit, je me suis dit, peut-être que c'est la poulie dumper. En gros, la poulie dumper, c'est quoi? C'est une poulie. C'est la poulie de vilebrequin avec un sort d'amortisseur dessus, en fait, tout simplement. Et en fait, quand la poulie de dumper commence à fatiguer à cause des bruits comme ça de frottement, et il suffit de la remplacer. Là-dessus, c'est même pas une poulie de dumper, c'est une poulie de vilebrequin classique. Parce que des fois, il y en a qui ont une poulie de dumper, il y en a qui n'ont pas. Moi, ici, j'ai pas de poulie de dumper, mais il y en a qui en ont. Et moi, en l'occurrence, ici, je n'ai pas de poulie de dumper, c'est une poulie de vilebrequin classique sans le système d'amortisseur. Parce qu'en fait, ce système permet de diminuer les vibrations, en tout cas, entre guillemets, les vibrations que peut causer le moteur, je pense. Je dis ça, je dis rien, mais en tout cas, c'est ce que je pense que c'est. Les professionnels confirmeront ça. Donc, c'est ça une poulie dumper en théorie, mais c'est pas elle parce qu'on a une poulie classique. Le bruit ne vient même pas du côté accessoire, il vient vraiment du milieu du moteur. Vraiment, on l'entend vraiment au milieu du moteur, vraiment entre, vraiment pile poil à la position du collecteur d'échappement. Je vous mets une photo, là vous voyez bien, vraiment du côté du collecteur d'échappement, on le voit d'ici. C'est vers ici qu'on le voit. Donc là, on va sortir le moteur. Donc pour sortir le moteur sur cette voiture, on va devoir enlever toute la face avant, donc les phares, pare-choc, tout, plus tout ce qui est autour, les durites, la batterie, support de batterie, le capot, parce que malheureusement sur ces voitures, enfin pas le capot, celui qui tient le capot en place, parce que nous on a déjà eu à démonter
un blog sur une autre Mitsubishi Colt comme celle-ci. Et donc, on sait à peu près qu'est-ce qu'il faut faire. On l'a déjà fait plusieurs fois. Donc, c'est pour ça que sur celle-ci, on saura comment il faut réagir pour démonter le moteur. Enfin, la procédure. Donc, en gros, il faut démonter toute la face avant, les phares, les calandres, les pare-chocs, tout, le radiateur, tout. Ensuite, tous les fils, tout ce qui est devant. En fait. Vraiment, on sort le moteur par devant. C'est impossible de sortir par en haut, c'est impossible, il n'y a pas assez d'espace. Ensuite, on enlève tout ce qui est à droite, tout ce qui est durite, nanana, tout. Batterie, tout ce qui est fil, etc. À gauche, on doit enlever tout ce qui est système de chauffage, tout ce qui est clim. Bon, bref, c'est un boulot énorme. Et parfois, je ne vais pas vous mentir qu'il y en a qui ne le font pas, juste parce qu'en fait, il y a des garages qui vous prennent des fois 3000 euros pour vous faire cette main d'œuvre. Parce que c'est assez compliqué, ça prend du temps. Et nous, en l'occurrence, je pense que ça nous prendra si on y fait vraiment. Mais on va pas le faire, on va amener un garage. Mais bon, un garage, on va l'aider quand on va travailler ensemble. Ça risque de prendre entre une et trois jours au pire des cas, selon le timing. Si on passe du plein temps dessus, là en une journée on pourrait y arriver. Sinon, si c'est pas du plein temps, ça peut prendre trois jours, même une semaine pour quelqu'un qui fait vraiment pas du plein temps dessus. En l'occurrence, les ateliers ne vous font pas ça en une journée parce qu'ils ont d'autres voitures à faire. Donc en gros, ils vous diront ouais, bon, dans 2-3 semaines, venez chercher votre voiture, elle sera prête parce que bon, il a d'autres voitures à faire, il peut pas passer du plein temps dessus. En fait. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de vraiment comprendre pourquoi il n'y a pas beaucoup de vidéos. Malheureusement, j'aimerais beaucoup vous filmer le démontage du moteur et tout ça. Peut-être que ça va être fait avec un peu de chance. Mais honnêtement, je pense que je vais pas le faire puisque c'est pas que j'ai pas envie, c'est vraiment que sur le moment, quand tu bricoles comme ça, t'as besoin d'être concentré. Et je vais pas vous mentir que des fois ça déconcentre d'avoir une caméra. Des fois faut expliquer ce qu'on démonte, mais c'est pas infaisable. Encore une fois, je le précise, je le reprécise, c'est pas infaisable, ça va être fait, je pense. Donc faut juste que vous restiez. Vous restez connecté et vous verrez, j'essaierai de faire mon possible pour vous filmer ça. Alors il y en a qui vont croire parce que j'ai fait la vidéo de la dernière venue, la 307 SW. Je vous mets la vidéo du nettoyage que j'ai fait dessus en haut à droite et en bas dans la description. La partie 2 arrivera, elle est déjà tournée, il faut juste le montage, c'est compliqué. Donc c'est pas la remplaçante de cette voiture, pas du tout, parce que cette 307 aussi, il y a un taf de malade pour la remettre en route, il y a beaucoup de boulot. C'est une voiture qui démarre et tout, comme vous l'avez vu dans la vidéo, mais c'est une voiture qui a un taf de malade, il y a beaucoup de travail dessus, il y a minimum 1000 euros, allez, minimum 500 euros de travail dessus, 500 euros de main d'œuvre, enfin 500 euros de pièces. Allez, bon. Minimum et maximum, en tout cas il y a minimum, on les a déjà largement dépassés, 300 euros de main d'œuvre et de pièces. Pour le moment c'est pas la remplaçante et ça ne le sera jamais, à part si cette Mitsubishi ne se réparera pas, mais je vois pas pourquoi. Pour l'instant on sait pas d'où ça vient, elle est immobilisée là à l'abri et on verra plus tard ce qu'on fait. Est-ce qu'on déjà avant de vraiment vous dire oui ok on va faire ça, vraiment localiser à 100% le problème. Pour l'instant on sait à peu près d'où ça vient, mais on veut être sûr, donc on démonte le carter et on regarde, et après si on voit que si on localise quelque chose, tout simplement on vous le dira tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de comprendre vraiment pourquoi il n'y a pas beaucoup de vidéos, vraiment parce que c'est compliqué. Maintenant la Mitsubishi est en panne, je peux pas vous montrer grand chose que cette plus que cette vidéo, je peux pas vous en dire plus que cette vidéo. Donc restez connectés, j'essaierai de vous tenir au courant sur cette Mitsubishi, par rapport à cette Mitsubishi. Je vous dis, moi, abonnez-vous vraiment à cette chaîne et activez la cloche pour rester connecté. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, le lien dans la description et il s'affiche en bas à gauche.
pour vraiment rester connecté là aussi, j'essaierai de vous tenir au courant. Il y a plusieurs fonctionnalités très intéressantes qui sont sorties sur le site internet, donc je vous mets le lien en haut à droite si je peux et en bas dans la description. Et vraiment, allez jeter un coup d'œil, juste allez jeter un coup d'œil, il y a peut-être quelque chose qui va vous intéresser. On a lancé une nouvelle rubrique qui vous permet vraiment de nous envoyer des messages. Si par exemple, vous avez un phare sur votre voiture qui est cassé, ou même un pare-brise, ou juste un autoradio, même juste une jante, un autoradio, une calandre et tout, venez nous demander, c'est gratuit, c'est fait gratuitement, c'est une fonctionnalité qu'on propose. Il y a aussi la recherche de véhicules d'occasion ou véhicules neufs. Donc vraiment, c'est plus de l'occasion que du neuf, mais ça reste du garanti. Nous, on fait que des trucs garantis. L'idée, c'est vraiment de vous proposer des pièces pas chères, garanties, et histoire que vraiment vous n'ayez pas à chercher, on vous envoie les devis. Dès qu'on trouve, on vous renvoie avec vraiment tout. Bref, allez voir sur le site internet, tout est détaillé, tout est expliqué de A à Z. Si vous avez des questions, encore une fois, les emails sont indiqués dans le site internet. Donc, il vous suffit de nous envoyer vos questions, on y répondra avec plaisir. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.